Un enfant se vous décroche en rêve, se le porte ses lèvres et ça part en chantant. Un enfant avec un peu de chance s'entend le silence et ça pleure des diamants. Jacques Brel, comment est née cette chanson? Mais elle n'est pas née, elle est en cogitation. Elle est à naître? Elle est à naître. Vous en avez beaucoup comme ça? Oui, j'en ai 7 ou 8 là, oui. Est-ce que vous savez d'avance si une chanson marchera? Pas à ce stade-là, il faut que ce soit plus avancé que ça tout de même, oui. Dire marcher, je sais si elle va me faire marcher. Voilà, mais je ne sais pas si elle va marcher. Parce qu'il faut que vous la sentiez. Oui, si je m'ennuie, c'est raté. Oui. Comment expliquez-vous cette connivence entre le public et vous? Parce que ce n'est même pas un accord, cette espèce de jeu extraordinaire qui démarre dès que vous prononcez les premières paroles. Ah, je ne sais pas. Vous le sentez, bien sûr? Non, pas bien. Non. Vous sentez ça, vous? Ah oui, dans la salle, oui, je le sens. Non, je ne sens pas ça. Je sens tout à fait autre chose, au contraire. Je trouve que c'est très... Ils sont très gonzesses, quoi. Vous comprenez? Ça devient très féminin, la salle. Enfin, le public est très féminin. Je sais pas. J'ai l'impression de les violer un petit peu, par moment. Mais ils ne sont pas de connivence. Ça naît de quoi, une chanson? De regret, d'envie, de cette sacrée différence qu'il y a entre les choses qu'on rêve et les choses qu'on réalise. Qui ne sont pas encore dérivés parce qu'on n'est pas sûr d'avoir raté ça quand même. Ouais, ça n'est que tout ça. C'est pas très triste, vous croyez? Bah, non, pourquoi? Croyez comment, pas. Comment triste? Il y a une nostalgie, non? Ah non, vous trouvez-vous? Oui. Oh, vous êtes une femme, alors c'est pas pareil. Ben, vous avez j'écris des chansons d'hommes, j'écris pas des chansons de femmes. Hein. Mais c'est pas triste du tout. Est-ce que vous êtes tout de même heureux de cette réussite extraordinaire? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi voulez-vous? Vous pensez que si vous étiez heureux, ça ne marcherait plus? Mais non, attention. Vous me parlez comme un gars qui fait du Cavcons en 1900. Ah, pas du tout. Pas du tout. Mais non, mais j'ai réussi quoi? Quand je lis Rimbaud et que j'écoute le Quatuor de Ravel, j'ai tout raté. Ça, non plus, ça n'est pas affligeant, je ne pleure pas. Qu'est-ce que j'ai réussi? On ne réussit jamais que par rapport à ce qu'on connaît. Vous comprenez ce que je veux dire? Je serais né à Vas-y les mouilles en 1892, je serais très, très fier et conscient de cette magnifique réussite. Mais c'est impossible dès qu'on sait un peu, quoi. Vous comprenez? On lit le bateau ivre, je vous dis, le quatuor de Debussy, le quatuor de Ravel, Daphnis et Chloé, puis après j'entends la chansonnette d'un gars qui s'appelle Brel. Je trouve ça bien gentil, je trouve qu'il ne se prostitue pas trop, mais enfin je suis quand même, je ne vais pas avoir la tête qui va se mettre à gonfler, à moucher comme ça, à frotter les oreilles comme ça le matin et à me payer. Ça n'est pas très sérieux, vous comprenez? J'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Non. Mais. D'ailleurs, il y a une grande dignité dans tout ce que vous faites. Ou il n'y a pas de prostitution. Oui. Il n'y a pas de prostitution, non. Ou alors c'est gratuit.